terminus. Tout le monde descend. Vérifiez bien que vous avez pris toutes vos affaires. Femme de race blanche, aucune carte d'identité, ni cicatrice, ni marque, aucune trace de lutte, exactement comme les deux autres. J'étais presque sûr que tu allais dire ça. Allez, voilà, tenez-vous prêts. Laissez passer, s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, 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 on circule, il n'y a rien à voir. Madame, s'il vous plaît. Allô ? La vie est belle. On la supporte. Content de te voir, ça faisait un bail. Vous ne pouvez pas passer par là. Le coup classique de l'overdose d'héroïne. Trois femmes qui meurent d'overdose dans la gare centrale en trois jours, c'est pas terrible.
Mais ça, en revanche... Artiste contrarié. Avec ton équipe, vous êtes bon pour faire des heures sup. Lieutenant ? Lieutenant Janek ? Qui est-ce ? Leslie Renner, chronique judiciaire, Canal 6. Lieutenant Janek, est-ce qu'il peut s'agir d'un assassinat ? Pas de commentaire. Voulez-vous que je dise au public que trois femmes sont mortes ici en trois jours et que le responsable de l'enquête n'a aucun commentaire à faire ? À la minute où j'aurai un commentaire à faire, vous serez la première au courant. Daron, tu veux prier mademoiselle de nous laisser travailler ? Les habitants de New York veulent savoir que la police ne reste pas inactive. Mademoiselle, si on allait faire une petite balade ? Madame, je vous ai déjà demandé de circuler. Votre ami n'est pas coopératif. Bon, il est très bien, mais il a des principes. Ah oui ? Lesquels ? Règle numéro 1, se méfier de la presse. Règle numéro 2, se méfier de la presse. Règle numéro 3 ? Faire appel à la presse quand on en a besoin. Bien sûr. Ça dit, j'ai aussi mes principes connus sous le nom de Greenberg. Les principes de Greenberg ? Être sympa avec les filles qui ont de superbes jambes. Je trouve ces principes bien meilleurs. Je parie que vous avez été danseuse, non ? Oui, je l'ai été, mais c'est de l'histoire ancienne. Ah, l'histoire était ma matière préférée. On pourrait peut-être dîner ensemble un de ces soirs, vous me parlerez ballet, je sais très bien écouter. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors, on décide d'un soir ? Je vous téléphone. Non, mais attendez une minute. Oui ? Ma carte ? Et je vous le rappellerai. On verra. L'ange a pris cette pauvre femme. Qui ? L'ange de miséricorde. Le Seigneur a envoyé son ange de miséricorde hier soir pour nous emmener loin de cette vallée de larmes. Mais c'est la volonté du ciel. Madame, on vous remercie, vous nous avez bien aidés. Merci beaucoup. Si vous la revoyez, passez-moi un coup de fil. Vous m'emmenez pas voir toutes sortes de portraits ? Nous en sommes seulement au stade préliminaire pour l'instant. Nous vous ferons signe. Si vous voulez un parapluie, venez me voir. En général, je travaille du côté de la 42e rue. Oui. Merci. Il y a un peu coopératif, s'il vous plaît. Allez, soyez raisonnable. Oh, c'est pas vraiment... Léon 3, les flics, pot de balle. Il y a vraiment des barjots. Ça me fait penser au type qui lançait des fléchettes dans les fesses des passants. Comment on l'avait baptisé ? Robin des Bois. Mère, enfin des voix. Aucun symptôme d'une toxico ? Des traces sur le bras, vous voyez ? Juste cette trace dans la cuisse. Drôle d'endroit pour chercher une veine. C'était une intramusculaire, comme pour les deux autres. Difficile de tuer quelqu'un aussi vite, sauf s'il est d'accord pour la piqûre. Oui, alors il faut un truc d'enfer. Tu jettes un coup d'œil là-dessus pour moi ? Que sont ces affaires ? Il n'y a pas de nom, il y a juste ce numéro. C'est de l'alpiridol. On donne ça aux schizos pour les calmer un peu. Donc c'est un produit tout à fait normal pour eux. Je vais quand même voir auprès des fournisseurs. Est-ce que c'est ça qui aurait pu la tuer ? Oh, aucune chance. Et puis d'ailleurs, il n'y a aucune trace concluante dans le rapport de sérologie, juste groupe sanguin AB et beaucoup d'héroïne. Ah, c'est ce que je pensais. Je sais pas qui c'est, mais elle l'a eu à Lindenburg. Pourquoi un type se balade-t-il dans la ville pour piquer les gens avec une seringue ? Je suis médecin légiste, mon vieux. La psychanalyse, c'est pas ma spécialité. Ça, c'est nouveau. On se téléphone. Monsieur Vargas, Monsieur Vargas, s'il vous plaît. Une troisième femme morte a été découverte à la gare centrale ce matin. Est-ce que vous avez des indices ? L'enquête est en cours pour l'instant, pas de commentaires. Mais monsieur les Vargas... Les gens ont assez de voir tous ces drogués envahir les gares. Qu'allez-vous ? Nous étudions différentes possibilités. Nos meilleurs inspecteurs sont sur l'affaire. Vous avez la responsabilité de la sécurité des citoyens. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça, monsieur Vargas ? S'il vous plaît. Toutes vos questions. Monsieur Vargas, non, le public a besoin de savoir. Pourquoi j'ai pas été informé, Mlesko ? Vous voulez me faire plonger ? Monsieur Vargas, un minimum de 2 personnes meurent chaque jour dans les gares, en général des clochards ou des drogués. Avouez que c'est assez difficile. Je me contrefiche que ce soit difficile. Tout le monde pense qu'il y a un coup tordu et je ne veux pas payer pour un autre, c'est clair. Bien. C'est agréable une aussi belle entente. Jelly, rien d'intéressant chez les témoins ? Si, une vendeuse de parapluies a dit qu'elle avait vu un ange de miséricorde venir prendre les âmes des gens. C'est lourd, ça. Oui, et tous les autres jurent qu'ils n'ont rien vu, patron. Il y a sûrement un rapport entre elles. Occupe-toi des 2 autres victimes. Est-ce qu'il y a un moyen de les relier entre elles ? Et essaie de savoir si c'était des toxicos. Et fais un saut au labo aussi. Ils ont peut-être quelque chose avec les paillettes. D'accord. Aaron, on va faire un tour à Lindenbrook. Il faut identifier ce cadavre. Et si Kim Basinger téléphone quand je suis pas là, elle va croire que je l'évite.
rêve. L'homme contre le poteau se prend pour Jésus. Pour cette semaine. Je suis le docteur Billings. Bonjour docteur, Frank Janek et Aaron Greenberg. Bonjour docteur. On a découvert le cadavre d'une femme à la gare centrale ce matin. Parmi ses affaires, on a trouvé ce médicament que vous lui aviez prescrit. Vous avez une photo? Oui. Voilà. Paranoïaque, schizophrénique, amené par la police. Je l'ai mis sous alpéridol pendant 2 semaines et on l'a libéré, la routine, quoi. Remettre les malades mentaux en liberté dans la rue, c'est la routine. On a les mains liées. On les laisse repartir en prescrivant un traitement qu'ils ne suivent pas. Et au bout de quelques temps, on est sûr de les voir revenir. C'est un scandale, mais c'est la loi. Bien sûr. Aucune trace de toxicomanie? Non. La voilà. Joyce Mlesko. Vous voulez bien m'appeler? MLOCZKO. Docteur Billings, s'il vous plaît, docteur Billings. Excusez-moi. Ça ne peut être une coïncidence. Le chef n'a pas de fille. C'est pas courant comme nom. Mlesko. Et c'est pour cette raison que je cède la parole à... Oui, monsieur Vargas, je regarde la télévision. Merci beaucoup. Le responsable de l'enquête, Frank Janek, refuse d'être interviewé. Des sources proches des enquêteurs confirment que les crimes ont pu être commis par le même assassin. Le maire adjoint, monsieur Vargas... Janek n'a certainement pas dit ça sans m'en parler. Je ne sais pas d'où elle tient ça. Il commence déjà à engager des hommes pour protéger le personnel féminin. Mais bien entendu que j'ai l'intention de le savoir. Je sais que le maire veut faire disparaître toute trace de cette affaire. Je vous rappelle, monsieur Vargas. Entrez. Il veut tout faire disparaître. Bon, enfin, il me prend pour qui? Pour Houdini? Et maintenant, on a une journaliste qui dit qu'il y a un tueur caché dans la gare centrale. Qui est-ce qui peut la renseigner? Ça peut être un des flics de la brigade ou un des hommes d'Aldo. Il nomme un débile comme Vargas, responsable de la sécurité publique. Et au bout de 2 semaines, il se prend pour Sherlock Holmes. Il a appelé pour avoir mon rapport. Ben, faut m'excuser, je n'y ai pas pensé. Bon, c'est pas grave, ça peut sûrement attendre. T'as quelque chose? Oui, j'ai... Il y a quelqu'un dans ta famille qui s'appelle Joyce. La fille de mon frère, oui. Pourquoi? Il y a un problème? Un toubib à Lidenbrook l'a reconnue comme étant la morte de la gare centrale cette nuit. C'est pas vrai. Je suis désolé, Tom. Joyce était toute petite, elle adorait ça. Elle disait qu'elle avait l'impression de partir à l'aventure. Comme si la ville était un royaume magique. Tu sais, Franck, dans ce boulot, j'ai bien déjà dû dire à 150 ou 200 personnes qu'un membre de leur famille était mort. Ça ne t'apprend qu'à t'endurcir, ça fait partie intégrante du boulot. Mais ça ne te sert à rien quand ça arrive à quelqu'un que tu aimais profondément. Elle était malade, c'est vrai, elle était malade. Mais elle ne faisait de mal à personne. Je vois pas pourquoi on l'a tuée. La pauvre fille était si gentille. Pourquoi, Franck? Toi, qu'est-ce que tu fais là?
Michael a été blessé, n'est-ce pas? Vaudrait mieux entrer. Non. Dis-moi tout de suite. C'est pas Michael. C'est Joyce. Non! Non! C'est Joyce! Bon, Joyce! Le produit qui les a tués est très puissant. Paraît que ça vient de Thaïlande. Une dose normale suffit pour tuer un cheval. On appelle ça le septième dragon de la chance. Et de la chance pour qui? Pour avoir accès à des produits aussi purs, il faut être un gros trafiquant. Salut Willy, ça va? Oui, ça va, merci. Appelle le procureur. Là-bas, ils pourront peut-être nous aider. Peut-être qu'il y a un lien. On l'occupe. Qu'est-ce que tu as? Eh ben, les types du labo disent qu'on peut acheter les paillettes dans n'importe quel grand magasin. Et sur les victimes? La première était une célibataire qui était caissière à la Citibank. Aucun parent. Tous ceux qu'on a interrogés l'adoraient. Bon, et pour la deuxième? À peu de choses près, le même profil. À part qu'elle était fonctionnaire et qu'elle vivait dans le Bronx. Aucune n'a de rapport avec la nièce de l'UNESCO. J'ai passé un coup de fil à la police d'État pour que leur terminal voie si ça peut correspondre. Résultat nul. Oh, et il faut voir la circulation qui vient de la banlieue. Il nous a fallu une heure avec les sirènes et le gyrophare. On va à la catastrophe. Eh ouais, ceux qui prenaient le train vont préférer sortir leur bagnole ou prendre l'autobus. On est tous effondrés par ce qui est arrivé à la police. On est désolés. On doit aller en chef. Merci à tous. Et ta famille tient le coup? C'est dur. Et toi, ça va? Super forme, Franck, la super forme. Alors? Alors, nous n'avons pas de témoins. La police de l'État ne trouve pas de lien. Il va falloir être patient. Alors, il faut qu'on attende que l'assassin se décide à recommencer, que la chance nous permette d'arriver en même temps. J'ai tout l'état-major de l'Amérique qui pousse des hurlements de pestiférés, et nous, on croise les bras. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu veux que j'arrête tous les types à 200 mètres de la gare qui se baladent avec une aiguille? Non, non, on a besoin de temps. On n'a pas le temps, mon vieux. Il nous faut un spécialiste. Tu peux expliquer? J'ai passé un coup de fil au FBI et à leur bureau de Quantico. Tu as l'intention de filer l'affaire aux fédéraux, peut-être? C'est déjà fait, la fille est là. Tom, notre service va passer pour être incompétent. Je m'en contrefiche de ce qu'on dit. Ou tu travailles avec elle, ou alors tu te retires de l'affaire. C'est fou, ça. Il nous tire dans le dos, on se défonce comme des malades. Il nous lâche, il devient malade. Tom est ce qu'on m'a défendu depuis le premier jour dans la police. Et il m'a couvert chaque fois qu'il a fallu. À notre tour de lui renvoyer l'ascenseur. D'accord, comme tu voudras. Excusez-moi. Franck, regardez ce qui nous arrive. Excusez-moi. Ah. On reste civil et correct. Vous savez où est le lieutenant Janek? Au fond du bureau, là-bas. Merci. Je me présente, agent Marcia Hobbs. Lieutenant Franck Janek. Vous avez un bureau où on pourrait parler? Oui, par là. Jolie jambe pour un agent fédéral. Tu es ridicule. Mais asseyez-vous. Vous voulez du café? Je préférerais du thé. Je sais que j'ai de l'eau chaude, mais je ne peux pas m'avancer pour le thé. Oh, ça va, j'ai le mien. C'est plus efficace pour les nerfs. Vous avez des problèmes nerveux? Pas plus que ceux qui font le même métier. Ah. Et il y a longtemps que vous le faites? Assez longtemps. J'ai pas de cuillère. Non, laissez. Entre nous, vous êtes différente des fédéraux avec qui j'ai travaillé. Oh, vraiment? Vous attendiez quelqu'un de plus grand? Je suis passée sur les lieux des crimes. Non.
J'ai étudié les rapports du labo et d'autopsie pratiqués par le médecin légiste. Ah, bien, oui. Ça va nous faire gagner du temps. Nous avons affaire à un assassin très organisé. Vous croyez ? Tous ces meurtres n'ont rien de sexuel, mais sont planifiés et les victimes ne sont pas choisies délibérément. Les victimes elles-mêmes ne présentent qu'un faible risque pour l'assassin. Et que pensez-vous du lieu choisi ? Il est évident que la gare centrale représente un gros risque. Mais la manière est assez curieuse. Les femmes surtout utilisent le poison. Mais l'empoisonnement par injection, c'est violent et c'est plutôt l'œuvre d'un homme. J'ai étudié tous les assassins qui n'étaient pas arrêtés et qui correspondaient au profil recherché. Résultat, tout concorde. Les victimes, les seringues hypodermiques, les paillettes. Et j'ai trouvé votre homme, Janek. Il s'appelle Randolph Quentin Darnell. N'a pas la tête d'un enfant de cœur, effectivement. Croyez-moi, vous n'aimeriez pas le rencontrer le soir au coin d'un bois. Il s'est évadé d'Atascadero après avoir tué un médecin femme en lui faisant une injection. Ensuite, il est passé par Los Angeles, Houston, Daytona Beach, Atlanta et Baltimore, tuant des femmes à chaque étape de son chemin. Il est bien évident qu'il correspond exactement au suspect qu'on recherche. Sans doute, mais comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Janek, je le traque depuis 2 ans. Je le connais encore mieux que sa mère. Je crois qu'aller à la télévision avec ça, c'est trop risqué. Il a tout contre lui. Il va craquer quand les médias seront là. Vous croyez que les médias sont vraiment indispensables ? Oui, parce qu'il faut faire vite. La logique me dit que quelqu'un va le livrer pour toucher la récompense. Et si ça n'est pas lui, on fait quoi ? Vous allez en assumer la responsabilité ? Il y a des mandats d'amener contre lui dans tout le pays. J'ai donc toute autorité. Alors, vous êtes avec moi ? Ou je dirige seul toute cette opération ? Décidez, c'est comme vous voulez. Après vous. On envoie l'agent du FBI toutes les demi-heures. Entendu. Au lieu de tous les reportages sur les autres services. Oui, bien sûr. Et il faut vérifier que tout le monde est au courant. Non, pas de problème. Art, je vais te parler à propos de cette histoire de me sortir du 6h. Tu crois toujours que tu vas tout casser ? Non, c'est cette histoire qui peut tout casser et c'est moi qui l'ai découverte. Je crois que je mérite une chance. Écoute, tu étais une danseuse il y a 6 mois de ça. Et avant que tu tombes sur cette histoire, t'as pas fait tellement de zèle. Art, c'est certainement la plus grande affaire criminelle depuis pas mal d'années. Pour moi, c'est juste un sujet, c'est tout. Mais je t'assure, demande-leur, on va faire un malheur. Et tu crois que tu es une star ? Pour moi, tu es Leslie Reiner. Allez, on enchaîne. Randolph Quentin Darnell est armé et dangereux. La police offre une récompense de $10,000 pour toute information permettant son arrestation. J'ajoute que la police de New York et plusieurs agents fédéraux attendent vos coups de téléphone à ce numéro. Ben, Janek, qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai fait spécialement pour vous. Vous n'y avez pas touché. Emportez-le chez vous. C'est gentil, j'ai déjà une mère. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as un coup de buis ? Non, je sais pas trop. Elle débarque et 1, 2, 3, c'est Darnell. C'est trop facile. Il y a une chose que j'ai apprise. Rien n'est jamais facile. Jamais. Frank, c'est Jelly Roll. Dépêche-toi, ton café va refroidir. Oui, Jelly. Le réceptionniste de l'hôtel Waverly a repéré Darnell à Coney Island. On est parti. Le suspect est toujours dans sa chambre, il n'en a pas bougé. Bien sûr. Marcia, vous ne croyez pas que c'est un peu trop ? On dirait que vous préparez un débarquement. Il est tout seul. Mon équipe peut s'en occuper. Il est dans sa chambre et on y va maintenant. C'est vous qui dirigez. Merci. Thank you.
Tout est prêt. Très bien, j'y vais. On n'est pas les premiers, regarde qui est là. Tenez-vous prêt. Comment est-elle arrivée si vite? Martial a sûrement appelé. Ça, c'est bien du style FBI. Darnell, c'est le FBI. Vous êtes encerclé. Sortez les mains en l'air. On ne vous fera pas de mal. Tirez pas. Les mains en l'air. Tirez pas. Gardez les mains en l'air, bougez plus. Couchez-vous. À plat ventre. Randolph Quentin Darnell, agent fédéral Marcia Hobbs. Je vous arrête pour les meurtres de la gare centrale. Je vous l'ai dit mille fois, je suis innocent. Et la femme de Baltimore? Quelle femme de Baltimore? Celle qui avait des fragments de peau sous les ongles qui correspond à la vôtre. Mais doucement, tout le monde sait bien que ça ne tient pas devant un tribunal, ça. Et les femmes de Los Angeles, Houston, Daytona Beach? Je n'ai rien à voir avec toutes ces femmes, moi. Et où est la femme de Memphis? J'ai l'impression qu'il vous en manque deux ou trois, ma grande. Non, je les ai toutes, Randolph. Je sais absolument tout. Ah oui, comment vous pourriez savoir? Mais je connais vos petits secrets. Et pourquoi vous utilisez cette seringue? Parce que vous ne pouvez pas, c'est ça? Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et elles, elles se sont moquées de vous, elles ont ri, elles se sont toutes moquées de vous. Cette petite garce à Los Angeles ne riait pas, elle me suppliait plutôt. Elle en pouvait plus. Et le mannequin de Houston, qui se trouvait trop bien pour moi, toutes elles m'ont supplié. Elles vous ont supplié aussi, celle de la gare centrale? Vous n'êtes pas fichu de voir la différence. Pour vous, c'est pareil. Le meurtre ne doit pas être seulement un petit acte de colère ou de passion. C'est un art. Mon art. Ma signature est unique. Comme celle de Picasso. Vous dites que vous n'avez pas tué les femmes de la gare centrale. Un travail d'amateur, tout ça. C'est un mauvais copieur, oui. Comment expliquez-vous les seringues et les flacons dans votre chambre? J'étais là pour l'imposteur. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Vous n'êtes pas d'accord? Si je le pensais une seconde, vous seriez déjà mort. Ça vous suffit? Allez, virez l'eau d'ici. Vous me supplierez aussi, un jour ou l'autre, agent fédéral Marcia Hobbs. Vous me supplierez. Vous verrez. Ces types me donnent toujours la chair de poule. Ah oui? Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Lequel? Darnell tué avec de l'hémobarbital. Les victimes de la gare centrale ont été tuées par l'héroïne. Pourquoi aurait-il changé? C'est plus facile de balancer de l'héroïne dans la rue que de l'hémobarbital. Vous êtes la spécialiste, mais la majorité des assassins gardent leur méthode. Janek, dans ma dernière affaire, le suspect a changé sa méthode trois fois au moins. Darnell a bien avoué les autres crimes. C'est votre homme, croyez-moi. Vous avez fait un gros succès, dites donc. Félicitations. Merci. Je me demandais quand ça allait venir. Ah, j'avoue que je pensais que vous alliez tomber sur un bec, mais vous avez réussi. Oui, nous l'avons fait plonger, n'est-ce pas? Quoi? Nous? Bon, peut-être que j'y suis pour un peu plus. Comment? D'accord, beaucoup. Je m'excuse. Eh bien, excuse acceptée. Dites, vous voulez pas que je vous dépose? Non, je voudrais marcher. J'ai besoin de prendre l'air pour me laver le cerveau. Bonsoir, Franck. Bonsoir.
L'affaire des meurtres de la gare centrale qui avait trouvé son épilogue hier soir par la spectaculaire... Mais il ne faut pas réagir comme ça. ...a été brutalement réouvert. Moi aussi, je l'aimais. En effet, le cadavre de Sœur Marie Clarita, une jeune femme d'une trentaine d'années... Et est-ce que tu as pris les cachets que le médecin a prescrit? À 5 heures du matin. Très bien. L'assassin est toujours dans la rue. Est-ce que Mike est là? Le choix de la police et des agents fédéraux semble être... Il faut bien... Mais il faut que tu me crois, voyons, je fais vraiment tout ce que je peux. Totalement inefficace. Les voyageurs et les utilisateurs de la gare centrale sont... Écoute, il faut que je raccroche. Mais non, c'est pas pour me débarrasser de toi, pas du tout, voyons. Non, je t'en prie, je te rappellerai ce soir. C'est ça. Au revoir. Let's go. Ah tiens, bonjour Monsieur Vargas. Non, c'est vous qui allez m'écouter, Monsieur Vargas. J'en ai assez de vous entendre, j'en ai assez du maire. Je me contrefiche de ce que raconte la presse. Ce qui m'intéresse, c'est de coincer la pourriture qui a tué ma nièce. Je vais faire ce que j'aurais dû faire dès le début, laisser Franck diriger les opérations. Je lui ai mis les spécialités FBI sur le dos, résultat zéro. Non, pour une fois, je vais faire mon boulot. Vous ne voulez pas? Virez-moi. Au revoir, Monsieur Vargas. Très bien, Monsieur Mlesko, vous m'avez fait comprendre que mes services n'étaient plus souhaités. Dans ce cas, excusez-moi, je vais ranger mon bureau et repartir pour Washington. Faites comme chez vous. Tu prends la direction des opérations comme tu le voulais depuis le début, vieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais bien savoir ce qui se passe avec toi. Tu nous envoies le FBI dans les pattes, tu oublies complètement mon service, tu m'humilies en me retirant toute autorité, tu vires la seule experte qu'on ait, et puis ensuite, tu me balances cette affaire pourrie sur les bras. Je viens de défendre, Tom. Mais tu n'es pas d'une grande logique. Mais pour qu'est-ce que tu te prends pour me dire tout ça? Pour ton ami, mon vieux. Alors tu vas te secouer. Ou je vais au bureau du procureur et je demanderai moi-même à ce qu'on me retire cette affaire. Et maintenant, où tu vas? Essayez de convaincre Marcia Hobbs de rester avec l'équipe. Mais tu fais ça de quel droit? De celui que tu viens de me donner, mon vieux. Marcia, à propos de ce qui s'est passé dans le bureau du chef... À mon avis, ça a dû être très réconfortant pour vous, non? Je croyais que vous n'étiez pas rancunier, et vous me poignardez dans le dos. Mais non, une minute, oui, c'est pas ça du tout. Non, ce que je voulais vous dire... Non, c'est pas grave, tout ça. Il y a déjà eu des types plus forts qui ont essayé de m'avoir. Écoutez, Marcia... Agent fédéral Hobbs? Ah, Russ, écoute, si tu appelles pour le problème de la maison... Quoi, t'es déjà au courant? Oui. Oui, j'ai fini par le coincer, ce malade. Russ, écoute... Tu ne tombes pas très bien pour qu'on discute. Non, 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 il n'y a aucun problème. Non, je te rappelle plus tard, d'accord? Oui, parfait. C'est juré. D'accord, merci. Excusez-moi, alors, où on en était? Vous me disiez que vous pensiez que je vous avais fait chasser à coups de pied quand le téléphone a sonné. C'était mon mari. C'est aussi un agent du bureau. On est en procédure de divorce. Oh, désolé. Je suis passé par là, moi aussi. Et dites, je crois qu'on est parti du mauvais pied. Je ne savais pas que Mlesko allait vous balancer comme ça. Sincèrement. Alors j'ai pensé que je pourrais vous offrir un petit déjeuner. Ça va être travail ou plaisir? Les deux, j'espère bien. Je crois que vous avez besoin d'un peu de thé. Dites-moi que je rêve. Tiens, Aaron, bonjour. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Vous aviez dit que vous alliez me téléphoner. Qu'est-ce qu'il y a? On veut se faire prier? Oh, bien sûr que non. J'ai souvent pensé à vous, mais j'étais un petit peu débordée. Écoutez, vous savez que les flics éprouvent des sentiments comme tout le monde. Je vais finir par être vexée. Je fais très bien la cuisine. Et moi, je suis très gourmande. Alors, nous sommes faits pour nous entendre. On se retrouve dans mon appart ce soir. Je vous fais un petit dîner de rêve. Vous ne serez pas déçus du voyage. Ça me paraît bien. Formidable. 24 Christopher, mettons vers 8h. Ça me fait très plaisir, merci. Et à moi, donc. Combien je vous dois pour ça? $1. Non, c'est pour moi, c'est pour moi. Oui, oui, c'est pour moi. Merci, merci beaucoup. Oh, voilà un taxi. À ce soir, d'accord, Ramon? C'est quoi déjà votre adresse? C'est au 24 Christopher 3H. Enregistré.
Pas mal. On trouve de jolies choses ici. Je reviendrai souvent. Vous avez commencé quand chez les fédéraux ? Quand j'ai eu mon diplôme en psychologie criminelle. J'ai été fascinée par les motivations des tueurs. J'avoue que j'ai cherché le plus difficile et j'ai postulé pour les fédéraux. Ils ont trouvé que je me défendais assez bien, alors ils m'ont mise dans le service adéquat. Vous cherchez toujours ce qu'il y a de plus difficile ? Je fais mes propres enquêtes. On a une impression fantastique quand on piège enfin une véritable pourriture. Je connais la sensation. On peut en devenir accro, vous savez. C'est mieux que le sexe. Bon, quelquefois. Si ce travail est si génial que ça, pourquoi vous divorcez ? Avec Russ, tout allait bien jusqu'au moment où on m'a mise sur le terrain, dans son service. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un conflit d'égo. Dès la première minute, du moins en ce qui le concernait, je ne faisais plus rien de bien. Le reste, c'est de l'histoire ancienne. Quelquefois, il faut savoir se mettre devant une glace et se regarder dans les yeux. Oui. Et si vous n'aimez pas ce que vous voyez ? Ou vous décidez de vous mentir, ou vous vous corrigez. Comme on dit, on n'a jamais rien sans rien. Vous savez comprendre les gens, vous ? Vous auriez pu être psychologue. J'aurais pu être mille choses, mais je suis flic, finalement. J'ai dit à Mlesko que je vous voulais sur l'enquête. Quoi ? Après la façon dont je vous ai marché dessus, pourquoi ? Parce que Tom Mlesko n'est pas que mon supérieur, c'est un copain. Vous connaissez l'affaire, vous êtes forte, et vous êtes la seule psy disponible. Ah ! Et c'est votre façon de flatter les gens ? Non. J'ai besoin de quelqu'un pour une affaire difficile. Alors, il s'agirait de qui, d'après vous ? Sûrement quelqu'un de plus futé que Darnell et d'aussi dangereux. Nous avons devant nous un tueur qui ne recule devant rien. Nous ? Est-ce que ça veut dire que vous marchez avec nous ? Ah, ça m'en a tout l'air. Ta belle-mère habite chez toi depuis 3 semaines et tu es toujours vivant ? Ah oui, elle est méchante, elle est laide, mais elle cuisine divinement. Alors, Pana ? On vient de recevoir ça du labo. Ah. Marcia, tiens un coup d'œil là-dessus. Elle portait toutes des fichus. Ça veut dire quelque chose ou c'est juste une coïncidence ? Ça peut avoir un rapport plus ou moins lointain avec la mère. 90% des assassins récidivistes ont été violentés par leur père avant l'adolescence. Arrivés à la puberté, ils transfèrent leur rage sur leur mère qui ne les avait pas protégés à l'époque. Rosa, il faut que tu joues les appâts à la gare centrale. J'y vais. Jenny, tu la quittes pas, hein ? D'accord. Mesdames et messieurs, on est reparti d'un bon pied maintenant. Les copains du labo se sont surpassés cette fois. C'est quoi, c'est un cheveu ? Un cheveu qui vient d'une perruque faite main et qui est très chère. C'est sur le voile de la bonne sœur. Et regarde ça, Franck. Tu vois cette petite chose bizarroïde ? On dirait un morceau de peluche. Oui. C'est du téflon, en fait. La grande classe et ça vaut une petite fortune. Autant que je m'en souvienne, les bonnes sœurs ne portent pas de perruques extrêmement chères. Exactement. J'ai fait une petite enquête auprès de 20 fabricants possibles et tout le monde me dit la même chose. Celui qu'il faut contacter, c'est Zachary Dent, D-E-N-T. Bien sûr, j'ai essayé de l'appeler, mais il y a des problèmes avec son téléphone. Alors, on va le voir. Alors, on va le voir. Marcia, vous allez interroger les bonnes sœurs, hein ? Si vous voulez. Monsieur Dent ? À repasser plus tard. Police, j'ai quelques questions à vous poser, monsieur. D'accord, juste une petite minute, j'arrive. Vous êtes Zachary Dent ? Oui. Bonjour, détective Greenberg, lieutenant Janek. Désolé de débarquer comme ça chez vous, mais votre téléphone était en dérangement. La compagnie de téléphone a pourtant envoyé quelqu'un ? On n'est pas venu ici pour le téléphone. Je peux voir vos cartes, s'il vous plaît ? Bien sûr. Si c'est pas pour le téléphone, c'est pour quoi alors ?
Est-ce que j'aurai des problèmes? Non. Non, on a des échantillons de cheveux qu'on aimerait vous faire étudier. On essaie de localiser le propriétaire d'une perruque. On a pensé que vous pourriez peut-être nous aider. Vous les avez avec vous? Oui, mais oui. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous aider avec un seul cheveu. Tout ce que vous pouvez dire nous aidera et on vous remercie d'avance. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un des miens. Je suis le seul dans le métier à utiliser le téflon. Et ce nœud, c'est moi qui l'ai inventé. Autre chose? C'est un style assez populaire auprès de certaines clientes. J'en ai fait quelques-unes. Vous pourriez retrouver celle d'où vient ce cheveu ou c'est impossible? Je ne peux pas partir d'un seul cheveu. Vous avez sûrement la liste de vos clients qui ont acheté ce genre de perruque. Mes clients aiment la discrétion. Désolé, ma liste est confidentielle. La perruque qu'on recherche appartient au tueur de la gare centrale, un tueur qui vous connaît. Alors, ou vous nous aidez, ou on revient ici avec un mandat et on démolit la maison. À vous de choisir. Je vous donne la liste. Sur 15 perruques, 8 ont été livrées à des sociétés, 2 sont parties à Las Vegas et une a été achetée par une des filles d'Ice Caped. Elles sont en tournée. Et les autres? On a des noms comme Jackie la Douceur, Estelle Water, Jamie Sanchez et une Gisèle, mais là, on n'a pas de nom de famille pour celle-là. Jackie la Douceur, c'est une call girl de haute volée. On peut penser que les autres font le même métier qu'elle. Et en général, il y a des malades pas loin. Il faut mettre les mœurs dans le coup. Il faut absolument interroger toutes les filles. Et pendant que tu y es, renseigne-toi un peu sur le perruquier. Tu crois qu'il est tordu? Je sais pas, non. Il est un peu bizarre. Sœur Clarita a eu besoin d'aller aux toilettes, alors nous nous sommes arrêtés devant ceux d'en bas. Elle m'a confié son sac et puis elle est entrée. Est-ce qu'elle a vu quelqu'un entrer ou sortir avant de découvrir le corps de Sœur Clarita? Tout s'est passé terriblement vite. J'ai vu quelqu'un, mais de dos. Et cette personne était comment? Elle avait les cheveux blonds et elle était blanche. Et vous êtes sûr que c'était bien une femme? Je ne suis pas sûre. Mais elle affirme ne pas avoir eu le temps de bien regarder. Elle pourrait l'identifier si jamais elle se retrouvait devant elle? Je ne crois pas. C'est tout ce dont elle se souvient. Qu'est-ce qu'elle dit, là? Elle dit qu'elle souffre de ne pas pouvoir crier. Merci, gardez la monnaie. Tu sais que tu devrais faire attention à toi. Bah oui, justement. Je fais attention à moi, je veux être en pleine forme. Il paraît que c'est bon pour l'attention. T'en veux un? Non, 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 donne-moi juste un petit morceau du tien. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux te tromper la vie. Eh, donnez-moi un autre. Tom? Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être chez toi. Je peux pas rentrer. Et qu'est-ce qui se passe? Tu t'es disputé avec Bernice, ce serait surprenant. Lucie, la vie de chez nous, elle me lâche pas, je tiens plus le coup.
À mon avis, tu devrais essayer de parler avec le psy de service, tu sais. Oh, je t'en prie, vieux. Tu veux que je lui dise quoi? Que j'ai eu une enfance malheureuse? Et là d'où je viens, personne n'a eu d'enfance heureuse. Oui, c'est vrai. Je suppose que tu peux passer la nuit ici. Tu n'as qu'à demander une couverture et un oreiller à l'infirmière. Mais tu devrais appeler Bernice. Tu sais à quel point elle est anxieuse. Tu n'as qu'à lui expliquer que c'est à elle de s'occuper de Lucille. Que toi, tu n'as pas le temps. Le canapé a l'air sympa. Les gars qui font de l'esprit, c'est insupportable. Ça, c'est pas croyable. Non, attendez, il y a encore mieux. Quoi? Il m'envoie prévenir sa femme. Un appartement superbe dans un quartier chic. Le maître d'hôtel me fait entrer. Il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes. Et il y a un énorme berger allemand qui vient déposer une balle à mes pieds. Je lance la balle. Le chien court après la balle. La balle fait un fort bond. Le chien percute le type et hop, par la fenêtre. On est au deuxième étage. Le chien, le type tombe dans un arbre. Le chien descend. Il a fallu 2 heures pour dégager le maître d'hôtel. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait, j'ai laissé un mot, puis je suis allé acheter une autre balle. Vous êtes vraiment cinglé. Mais vous faites très bien la cuisine. J'avoue que cette soirée a été une agréable surprise. Je vous avais dit que vous ne seriez pas déçus. Vous ne l'avez pas été. À nous. À nous. Alors, où en est votre affaire? Bien, tout ça reste officieux, d'accord? Oh, bien sûr. On a découvert un cheveu blond sur la dernière victime. On sait qu'il vient d'une perruque. Ça devrait être intéressant. Vous croyez que ça peut appartenir au tueur? Vous avez eu votre réponse et moi j'ai le droit à une question. D'accord. Ça vous posera un problème si je vous disais que j'en pince un peu pour vous? Hein? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Permettez? Il est déjà tard. Mais il n'est même pas 10 heures. J'aimerais vous raconter comment ils ont fait descendre le maître. Attendez, vous êtes un type bien, mais vous allez beaucoup trop vite. Non, je suis désolé, j'ai disjoncté, il faut m'excuser. Il faut vraiment que je parte. Non, mais une minute, attendez, non. Allons, il s'est rien passé tout à l'heure. Restez au moins pour le dessert, j'ai un soufflé au four, délicieux. Non, je regrette, mais demain il y a école. Bon, d'accord, j'appelle un taxi. Ah non, pas la peine, merci, il y en a plein à cette heure-là. Écoutez, merci pour cette super soirée, je vous téléphone et on recommence, hein. Bonne nuit, Aaron. C'est ça, bonne nuit. Entrez. Tout va bien? Oh, ça va très bien. Non, c'est faux, ça va pas fort. Eh bien, asseyez-vous. Donnez-moi votre manteau. Merci. Je me préparais à manger. Je vous sers quelque chose? Non, merci. C'est sûr? Oui. Un verre? Non, rien. Un petit café? Non. Mais asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air d'avoir le moral dans les chaussettes. Je ne sais pas trop. Ça fait des années que je travaille sur ces horribles crimes. Ça ne me touchait pas. C'était des chiffres sur un terminal. Je faisais arrêter un bandit. C'était bien. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, vous avez vu le vrai monde. Et ce n'est pas un terminal. Si on veut se débarrasser de la pourriture, il faut en payer le prix. Russ. Russ dit que je ne sais pas prendre mes distances. En fait, je ne sais plus si je pourrais. On croit qu'on peut tout réussir. Une carrière. Un mariage.
Et puis un jour... Et puis un jour, on se retrouve seul. À manger devant la télé. Est-ce que ça en vaut la peine? J'ai fait le ménage de ce côté-là. J'ai appris à me revitaliser avec mon travail. Moi, je ne sais plus si j'en ai envie. Cette pauvre sœur avait un tel regard. Ça m'a fait très mal. Franck, je ne sais plus où j'en suis. Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Vous entendez? D'accord, on en parlera plus tard. Jelly! Police, on ne bouge plus! Je dis on ne bouge plus! Les mains en l'air! Allez, les mains en l'air! Et on fait ça en douceur. Se modifier sensiblement au cours de la journée. Alors, je vous rassure tout de suite, la seule différence avec le temps de ces jours derniers, c'est que le vent rayon... Je me suis retourné, tu n'étais plus là. Il y a un problème ? Non. Non, mais ça fait pas mal de temps que je n'ai pas partagé mon lit avec quelqu'un. Je me suis habitué à dormir seul. Merci, Raoul. La police ne semble progresser que très lentement dans l'affaire des meurtres de la gare centrale. Cette succession de meurtres commis de sang-froid semble déboussoler nos plus fins limiers. Une source proche des enquêteurs nous a révélé que le seul indice dont disposait le lieutenant Janek et son équipe semble être une fibre de perruque ayant pu appartenir à l'assassin. Comment elle peut savoir ça? Les petits commerçants estiment qu'ils perdent plus $1,5 million de dollars par jour. Le maire de la ville a décidé Janek. D'organiser une réunion d'urgence du conseil. Oui, qu'est-ce qu'il y a? La municipalité paraît disposée à utiliser les grands moyens.
Tout ce que je dis, c'est que quelqu'un a dû lui en parler. Et vous croyez que c'est moi qui ai donné ce tuyau à Rémer? Je pose des questions. Franck, je peux te parler une seconde? Oui, plus tard, mais plus tard. Merci pour cette marque de confiance. Je n'ai nos règles d'or, rappelez-vous. Et pourquoi moi? Ça peut être aussi les autres. Quoi? Mon équipe? Ce ne sont pas tous des saints, non? Franck, on travaille ensemble depuis des années. Franck, c'est moi. Quoi? Oui, c'est ma faute, elle n'est pas dans le coup. Qu'est-ce que tu racontes? C'est clair, c'est ma faute, j'ai parlé. Vous voulez bien nous excuser une minute? Avec plaisir. Raconte-moi un peu ça. Elle est venue à la maison pour dîner, je m'étais dit qu'elle savait peut-être quelque chose sur l'affaire, je voulais qu'elle parle doucement, et alors... Doucement, doucement, tu as essayé de le faire et c'est elle qui t'a eu, mon grand. Mais d'accord, j'ai fait une très grosse bourde. La dernière fois, t'entends? Je ne plaisante pas. Je suis désolé. Vous avez identifié la victime? Oui, Gloria Shawcross, parfumeuse, elle habite Forest Hill. On n'a pas touché à son sac. Il y avait une bague à l'intérieur, des billets et un portefeuille. Tout est là. Toutes les signatures. Franck, regardez. Approche. Regardez ça. Tu portes ça au labo. Tu sais ce qu'on cherche, hein? Ouais, tout de suite. Qu'est-ce qui peut entrer dans la gare centrale au milieu de la nuit et se fondre dans le décor? Peut-être que l'assassin est une prostituée. Ou bien quelqu'un qui veut nous faire croire que c'est le cas. Vous avez fini? Oui, 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 emmenez-la. Faites-moi voir ça. Marcia, je te présente mes excuses pour, tu sais, t'avoir accusé. J'aurais jamais dû. Ça me fait plaisir que tu sois venu me dire ça. Si ça n'avait pas été le cas, je peux te jurer que je t'en aurais fait baver. Bon, d'accord. Alors, vos frères sur un plan très large, et ensuite, il faudra que tu recèles. Tiens, 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 mais c'est Matahari Renner. Oh, Aaron, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Le problème, c'est qu'il faut que nous ayons une petite conversation tous les deux. Écoutez, Aaron, à propos d'hier soir... Vous êtes servi de moi, c'est tout. Ça veut dire quoi exactement? Le public a le droit de savoir ce qui se passe. Le public a le droit de venir chez moi, de manger mes plats, de minauder comme une petite gamine et de trahir ma confiance. Vous savez très bien que c'est mon gagne-pain. Et vous savez très bien que c'est pas la journaliste que j'avais invitée. C'est mon métier, pas, je c'est tout. Je préfère les prostituées. Elles, au moins, ne trichent pas avec ce qu'elles font. Et je vais ajouter ce scoop. Quelqu'un finira par vous faire la même chose et vous aurez que les yeux pour pleurer. Je veux votre paume, Lesco. J'ai toléré votre insubordination dans l'espoir que vous obtiendriez des résultats. Et manifestement, vous en êtes incapable. Tenez, de la part de la mairie. Vous ne pouvez pas me faire ça. D'après monsieur le maire, je peux. Vous êtes suspendu avec salaire jusqu'à nouvel ordre. C'est mon enquête. Il faudrait dire c'était. Excusez-moi, je retourne voir le maire. C'est superbe. Bon, maintenant, passons au plus difficile. Je l'ai entendu à la radio ce matin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Cette fois-ci, c'était une rousse. Notre laboratoire confirme des traces de téflon. C'est une de vos perruques. Vous avez la liste? Est-ce que tu pourrais aller m'attendre dans la pièce du fond? C'est pour le boulot. Longue ou courte? Longue ou courte, quoi? Le cheveu, les perruques rousses, j'en ai fait des longues et des courtes. Longues. Vous avez de la chance, j'en ai fait que 10 longues. Merci beaucoup, c'est formidable. Merci. À votre service. Janek,
Frank, c'est Aaron. Je viens d'avoir la liste des perruques rousses de l'ami Dent. Son copain est parti quand j'étais là. Il m'a l'air franchement bizarroïde. J'ai voulu intercepter, mais il a pris sa moto et s'est empressé de filer. Mais j'ai le numéro. C'est une plaque de Floride. TXR7229. Bravo, beau travail. Ah, autre chose. Quand j'étais avec lui, Dent venait de saupoudrer une des clientes avec un truc scintillant. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ça a fait tilt. Tous les gens des sociétés ont de bons alibis. Ice Capet s'est en tournée à Salt Lake. On a pu appeler toutes les filles à l'exception d'une, Gisèle, et aucune des autres filles n'a entendu parler d'elle. Vous avez fait venir sœur Brigitte ? Oh oui, la pauvre, elle était bouleversée, elle a reconnu personne. Franck, regardez ça. La moto est enregistrée au nom de William Paxton de Daytona Beach. L'an dernier, il a été arrêté pour détention et vente d'héroïne. Il s'est pas présenté après la caution et il y a un mandat contre lui. Envoyez un avis de recherche à son nom. C'est parti. Écoutez un peu le dossier de l'ami Paxton. Il a un casier plutôt chargé. Il a déjà eu plusieurs condamnations quand il était mineur, 2 fois pour prostitution et de nombreuses fois pour comportement obscène. Bon, alors il ne reste plus qu'à le trouver. Déjà de retour? Allez donc, t'as dû drôlement t'envoyer en l'air, ma grande. C'est pour ça que je reviens. T'en as encore? De la chinoise, pour illuminer tes nuits. Le numéro 7 de la chance. Tu vas te régaler. Tiens, voilà. La police est passée me voir 2 fois et on m'a demandé le nom de mes clientes. Mes clientes pour les perruques, bien sûr. Ils ont manifestement repéré toutes mes clientes les plus assidues. Ils t'ont pas encore interrogé? Personne ne touche à Gisèle. Ça ne me regarde pas, tu peux faire ce que tu veux, mais après ce soir, tu aurais intérêt à adopter un profil bas. Ça va pas? T'as l'air malade. Je voudrais bien un verre d'eau. Je t'en apporte un. Janek? Oui? Où ça? Oui, tu restes là et tu appelles les renforts. Si jamais ils repassent par là, tu t'en occupes. On est parti. Un flic a repéré la moto de Paxton qui était en stationnement interdit à Chinatown. On va la ramasser. On ne bouge plus! Main en l'air, Paxton! Police! Arrêtez, police! Ça suffit, Paxton! Police, arrêtez! Les jambes écartées. À quoi vous jouez? On joue à arrêter les meurtriers. Tiens, tiens, vous m'en direz tant. Je vous arrête, Paxton. Vous le fouillez et vous l'emmenez au poste. On y va. Je te colle cette fois. Il a une relation suivie avec Dent, donc il a accès aux perruques. Visiblement, il s'intéresse à l'héroïne. C'est certainement notre tueur. Mais ce ne sont que des présomptions, tant qu'on n'aura pas relié l'ami Paxton avec ses assassinats. C'est-à-dire une perruque avec des cheveux qui manquent. On va retourner voir notre perruquier. C'est la porte sur la gauche. Monsieur Dent? Dent, police! Vous êtes là? Dent? Voir là-haut.
Marcia. Tu peux me donner l'heure approximative de sa mort? À en juger par la rigidité, vous avez failli croiser l'assassin. Ça devait être vers 8 heures. À l'heure où on arrêtait Paxton? On l'oublie, si je comprends bien. Bon, désolé de casser l'ambiance, mais j'ai des clients qui attendent. Ça va, Dave, merci. Frank, ils ont vérifié tous les noms marqués sur les listes. La seule que personne n'a pu trouver, c'est la même fille que les mœurs n'ont pas pu interroger. Gisèle, pas de nom de famille. On a décroché le gros lot. On a trouvé ça collé au fond de la chasse d'eau. Des noms et un bouquin de comptabilité. Gisèle est venue voir Dent à 3 dates bien précises. Gisèle est là-dedans aussi. Il l'a vu 3 fois il y a une semaine, le jour même où les meurtres étaient commis. Dent avait rendez-vous avec elle ce soir, à 8 heures. Alors qui est Gisèle? On sait qu'elle est de race blanche, qu'elle a 2 perruques, que c'est une prostituée ou qu'elle joue à l'être. Elle prend des risques. Elle se délecte de braver les autorités. Gagné! Qu'est-ce que tu as? Gisèle. Un virement à la Chase Manhattan Bank, le 23 et le 1er. Démontez la maison. Marcia, venez avec moi. On va savoir si on a un copain dans cette banque de rêve. Tout ceci est tout à fait irrégulier. Le règlement est très clair. C'est une affaire qui concerne plusieurs États. Le FBI exige une coopération complète. Je pense. On a déjà discuté avec votre supérieur. D'accord. Bon, venez avec moi. Voilà. On a reçu un chèque qui était signé de Madame Arthur Zauber, Bluebell en Pennsylvanie. Là-bas, c'est bourré de Hollandais. Est-ce que vous enquêtez sur un blanchiment de l'argent, c'est ça, non? Oui, oui, oui. C'est un peu ça, oui. Vous n'avez pas un téléphone que je pourrais utiliser? Oui, oui, le 2e bureau. J'écoute, Aaron Greenberg. C'est Frank. Vous avez trouvé quelque chose chez Dent? Beaucoup de pots de confiture. Et pour Paxton? Rosa et Jelly sont allés le travailler. Mais tout ce qu'il dit, c'est qu'il veut voir son avocat. Bon, on garde la maison. On va faire une balade avec Marcia. Vous êtes Madame Arthur Zauber? Ja, c'est moi. Madame Arthur Zauber, Greta. On voudrait vous parler une petite minute. Madame Zauber, on pourrait peut-être aller dans la grange? Oui. Merci. Madame Zauber, je suis Frank Janek et Madame Hobbs. Nous sommes de la police. On voudrait vous parler ainsi qu'à votre mari pendant quelques minutes. Arthur est allé aider un voisin à mettre bas un veau. De quoi voulez-vous nous parler? Nous avons des raisons de penser que vous avez envoyé de l'argent à quelqu'un que nous recherchons. Je ne me rappelle pas avoir envoyé de l'argent à quelqu'un. Vous avez envoyé $1000
à une L. Zauber à la Chase Manhattan Bank, le 5 juillet de cette année. C'est bien votre signature. Oui. Cette personne est peut-être la victime d'un escroc et on veut la retrouver. Madame Zauber, avez-vous envoyé de l'argent à un de vos parents? Oui. À Lorelai. Qui est Lorelai? Ma fille. C'est un crime d'envoyer de l'argent à sa fille? Oh, non, madame, pas du tout. Madame Zauber, pardonnez-moi de dire ça, mais vous semblez vivre très simplement. Et 1000 dollars, c'est une somme importante. Comment l'avez-vous eu? Une fois par semaine, je vais à Philadelphie pour vendre des oies et des fromages que je fais moi-même. Et mon mari me permet de garder cet argent pour moi-même. Et sachez que je fais des économies depuis très longtemps. Il y a longtemps que vous avez vu Lorelai? Ça fait déjà bien des années. Madame Zauber, vous voulez me dire ce qui s'est passé? Lorelai n'était pas comme les autres filles de la région. Elle était toujours en rébellion. Et alors, quand elle était allée à la ville, elle voulait écouter du rock'n'roll à la maison. Elle voulait sortir avec les garçons qui ne croyaient pas en ce que nous croyons. C'est assez typique d'une jeune fille. Monsieur Janek, nous rejetons les valeurs de ce monde et ça a été une honte très pénible pour nous. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Arthur a essayé de faire pression sur elle en soulignant l'importance de ce à quoi nous croyons. Et comment a-t-il fait? Il lui a parlé. Il l'a poussé à lire la Bible. Et quand ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Mon mari est un peu particulier. Il refuse de parler votre langue. Il est vraiment très strict. Il pensait qu'elle était... Dites-nous ce qu'il pensait. Il pensait que c'était une courtisane. Une courtisane? Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Lui. Il lui apprenait la discipline. La discipline? Il était obligé de le faire. Elle était possédée par le démon et il a fait ça pour le chasser de son corps. Il est obligé de le faire. Mais ça ne l'a pas chassée. Non. Elle s'est enfuie. Pendant des années, je n'ai pas eu de nouvelles. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre. Elle demandait un peu d'argent. Elle voulait reprendre ses études. Vous savez quelles études? Non. Elle ne pouvait pas me donner une adresse. Elle avait trop peur que son père puisse la retrouver. Madame Zauber, est-ce que vous avez une photo de Lorelai? Mon mari n'aime pas les photographies. Il interdit qu'on en prenne. Et j'ai très peur qu'il rentre et qu'il vous retrouve ici. Il serait très en colère après moi. Vous avez raison, oui, on s'en va. Oui, non. Merci infiniment pour votre aide. Tu crois qu'elle a menti? Non. Et toi? Elle avait trop peur pour mentir. On a tout et en même temps rien. On sait que Gisèle et Lorelai sont une seule personne, et on sait que Greta envoyait à sa fille l'argent pour les perruques et la drogue. Mais qui peut-elle bien être? Il y a une seule personne, à part Gisèle, qui pourrait le savoir. Je vous ai dit que vous reviendriez supplier à Jean Hobbs, c'est pas vrai?
besoin de savoir pour les paillettes. On a besoin de savoir ce que ça veut dire. Autrement dit, vous voulez savoir ce que ça représente pour l'imposteur. Si c'est vous qui le dites. Et qu'est-ce que j'y gagne? Une peine minimale à Atascadero, au lieu d'une maximale à Marion. C'est très tentant. Je préfère le climat de la belle Californie. Mais ça, c'est pas assez pour moi. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que j'ai toujours voulu? Supplie-moi. Dépêchez, agent fédéral, Marcia Hobbs. Suppliez-moi. Pourquoi le ferais-je, Randolph? Pourquoi je vous supplierais? Dehors, il y a quelqu'un qui vous ridiculise. Je comprends pas. Non. Je croyais que votre signature était unique, comme Picasso. Si c'est vrai, tous ces meurtres ont été conçus par une seule personne. Mais vous étiez en prison au moment des trois derniers meurtres. Randy, c'est vous l'imposteur? C'est un sacrilège. Vous savez très bien, c'est moi qui ai tué toutes ces femmes. Vous l'avez dit. Alors il va falloir m'aider. Je suis la seule à pouvoir arrêter l'imposteur maintenant. Alors allez-y, racontez-moi. Dites-moi ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, les paillettes? Ça veut dire que l'imposteur voudrait avoir la célébrité. La célébrité et la gloire. Comme les anges. Merci, Randolph. Garde. Oh, à propos de repartir pour Atascadero. Oui, à propos. J'ai menti. Vous n'y retournerez jamais. Je n'ai jamais vu cette gare aussi vide. Série de décisions concernant le budget de la défense qui entraîneront forcément des discussions. Oh, bon sang, je l'avais besoin. Allô? Maintenant, nous allons passer à une affaire qui inquiète toute la ville et je sais. Tiens, la voilà. Allez, Sire. Merci. La police n'a toujours pas de nouveaux indices sur l'enquête du tueur de la gare centrale. Il y a quelque temps, M. Vargas a officiellement annoncé que le chef Tom Lesko avait été momentanément suspendu de ses fonctions. Je terminerai par la bourse en vous disant Frank. Que l'indice Dow Jones est resté stable aujourd'hui et que Frank, qu'est-ce qu'il y a? Ces derniers jours semble s'être totalement apaisé. Elle rêve de célébrité et de gloire. Mais la parité entre le yen et le dollar est restée quasiment la même qu'hier. Ce sera tout pour le journal de 23h. C'était Leslie Renner qui remplaçait Julie Hove. Bonsoir. Leslie. On dirait que vous êtes sur la bonne voie. Ils vous ont déjà demandé de remplacer Julie Hove, hein? À qui le tour, maintenant? Qu'est-ce que vous voulez, Janek? Bon, bavarder un peu, c'est tout. Francine, vous voulez nous excuser une seconde, s'il vous plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, vous êtes une véritable énigme. Si droite, si vertueuse. Si prête à accabler la police. C'est comme si vous aviez eu un sixième sens sur les meurtres de la gare centrale depuis le premier. Et vous êtes toujours la première sur les lieux, avant les autres reporters. Comment vous faites? J'écoute la fréquence de la police, comme tout le monde ici. Et certains ont plus faim et sont plus rapides, c'est tout. Oui. Vous n'avez jamais croisé de fille qui s'appelle Gisèle dans votre travail? Vous savez, je vois tellement de monde dans mon travail. Cette Gisèle s'est procurée de l'héroïne auprès d'un dénommé Zachary Dent. Vous ne le connaissez pas? Non, bien sûr que non. Où voulez-vous en venir? Il fait aussi des perruques. Et on pense que le tueur de la gare centrale portait des perruques qui ont été faites par Dent. Des perruques? Comme celle-ci?
Dites à Finkel de venir au maquillage. Gisèle a semé quelques indices qui nous ont conduits à une famille qui s'appelle Zauber en Pennsylvanie. Et ces gens ont une fille qui s'appelle Lorelai et qui a disparu depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux bien le faire sortir, s'il te plaît? Mais à quoi vous jouez, Janek? Elle va être à l'antenne. Vous m'aviez dit que c'était juste pour quelques questions. Oui, c'est vrai, pardon. On reprendra notre conversation plus tard, Leslie. Ou est-ce que je dois dire Gisèle? Mais de quoi il parle? Aucune idée. Attention, vous êtes prêts? 10. Et alors? 9. J'ai failli commencer sans toi. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bonsoir. Ici Leslie Renner qui remplace Juliov en vacances cette semaine. Et voici les nouvelles locales. La police est toujours impuissante devant le tueur de la gare centrale qui a complètement terrorisé la ville. La cinquième et dernière victime, un fabricant de perruques de Manhattan. Zachary Dent, très connu de la police. Un homme d'affaires célèbre, dont le corps a été découvert. Allez, on passe une pub vite. Je suis désolée. Tu veux te reposer? Non, non, ça va aller. Non. Ça n'a pas l'air d'aller. Ah. 20 secondes. D'accord. Ça va aller. Maman. Je vais être gentille, papa. S'il te plaît, ne me punis pas. Ne me fais pas de mal. S'il te plaît, non. Non, maman, non. Elle fera rien pour toi. Elle fera jamais rien pour toi. C'est moi qui veux m'occuper de toi. C'est moi qui vais te protéger. Je serai là pour toi. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Pas ça. Non, pas ça. Arrête. Je ne reviendrai plus. S'il te plaît. Maman, non. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, ne laisse pas faire maman. Mon Dieu, non. Mon Dieu, c'est Lorelai. Maman, je serai gentille. Emmenez-la. Je serai gentille. Enlevez vos sales pattes. Ne me touchez pas. On ne touche pas Gisèle. Je dois vous annoncer que Leslie Renner, l'assassin de la gare centrale, a été arrêté hier par la police de New York. Vous pouvez reprendre le train sans aucune crainte. Et comme vous le savez tous, j'ai participé activement à cette affaire depuis le début et je suis fier de l'efficacité de nos services. C'est pas croyable. Tu entends ce qu'il raconte? Ça me suffit. Vous m'avez sauvé la vie, je crois qu'il faut qu'on fête ça. Je vous invite chez Bill. On est content de vous retrouver. Et moi, donc. Et je tiens à dire que nous ferons tout pour continuer à mériter cette confiance. Les assassins ne pourront plus écumer impunément nos rues. Là-bas. Alors, quand est-ce que je te reverrai? Russ a appelé hier soir. Ah. Il a dit qu'il m'aimait. Et toi? Est-ce que toi, tu l'aimes? Il dit qu'il veut qu'on se donne une autre chance. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu m'as tout appris sur l'instinct. C'est pas trop. Mon impression, c'est qu'il faut que j'essaie encore une fois. Alors, il faut aller jusqu'au bout? Oui. Et si jamais ça ne donne rien? Je ne bougerai sûrement pas d'ici. Tu vas me manquer, Franck. Marcia, j'avoue que je ne suis pas très bon pour les adieux. Moi non plus. Le train express pour Baltimore et Washington va partir voie numéro 29.
Le train express pour Baltimore et Washington. Tu vas rater ton train. 29. Oui. Merci. Et Franck? Oui. On a réussi à l'avoir. Oui, ça, on l'a eu. Seulement cette fois, c'était pas meilleur que le sexe.